Bon, c'est que ce n'est pas tonton Christian qui m'a accepté. Hey! Wonderful, ça c'est quelle manière? Mais où est la valeur? C'est alors qui, maman? Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, aujourd'hui je vais faire un prank à ma maman. Yeah! Je vais enfin pouvoir encore pranker maman parce que maman est trop facile à pranker. Aujourd'hui je vais faire croire à maman que je suis enceinte. Mais enceinte d'un autre homme en dehors de mon mari. Et on va vraiment voir la réaction de ma maman. Yeah! J'ai trop hâte. Je ne sais vraiment pas comment elle va se comporter. Je suis loin d'imaginer. Oh, c'est trop bien les pranks. Les pranks, c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir un peu titiller la personne qu'on aime avec les sujets bizarres afin de voir comment la personne va réagir. J'ai trop hâte de voir comment maman va réagir dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Le fait pour elle d'apprendre que je suis enceinte d'un autre homme, pourtant je suis mariée, j'ai des enfants et vous comprenez un peu ce que ça sous-entend, n'est-ce pas? Donc voilà, je ne vais pas trop bavarder. Je vais juste vous demander de vous abonner comme d'habitude, de commenter, de liker, de partager afin que la communauté puisse vraiment s'agrandir, d'accord les gars? Pour l'instant, maman n'est pas à la maison, donc je vais patienter. Quand elle serait de retour, à ce moment, je vais lui pranker. J'ai eu l'idée de lui pranker. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter et vous introduire la vidéo? Donc les gars, on se revoit au moment où je vais passer à l'action, les gars. À tout à l'heure. Maman, je suis assise au salon, maman. Je suis assise au salon. Ok, j'arrive. D'accord, maman. C'est comment, chérie? Ça va, maman, ça va. C'est assez de près. Ça a été. Tu sais que tu es arrivé quand tonton Christian n'est pas à la maison avec ses garçons. Mm-hmm. Maintenant, il dit que comme on est à la maison seulement toi et moi, là, je profite pour te dire quelque chose que je voulais te dire depuis. Mais le problème, quand? Bon, c'est que ça fait un bon moment, non? Voilà. C'est que ça fait un bon moment comme je voulais te dire ce que je veux te dire maintenant. Okay. Mais à chaque fois, donc, bon, en fait, c'était rare qu'on se trouve à la maison à deux comme ça. J'avais quoi dire que pourquoi ne pas faire des vues avec les enfants ou bien avec les enfants? C'est ça, maman, c'est ça. Donc, c'est que tu sais que tu es ma maman chérie. Je ne veux pas te cacher quelque chose. Quand, si j'ai quelque chose comme ça, tu seras la première à être au courant. Et du coup, maintenant. Là, non, oui. Bon, j'ai hâte d'entendre la chose. Ah bon, maman, mm-hmm. C'est que je suis enceinte. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein? Je suis là pour regarder, pour t'aider à regarder les enfants. Tu sais, depuis l'année que ta fille était morte, la façon même qu'on a fait sortir le cadavre de l'enfant dans le ventre, tu étais toujours inquiète. Tu avais peur que tu ne veuilles plus concevoir. Mais je te dis, qu'est-ce que tu avais dit? Que le Seigneur est merveilleux, non? Tu me dis, il n'y a rien qui dépasse le Seigneur, qu'il est au contrôle de tout. Voilà maintenant. Que le Seigneur te bénit, te bénit, te bénit. Alors, c'est ça, non? Je sais, c'est une bonne chose. Je sais. Je sais, maman. J'ai vu cette façon de regarder, d'être calme encore comme ça. Hein? De sourire comme une petite fille, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est une bonne chose, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je sais que peut-être tu es inquiète parce que l'enfant ne marche pas encore. Il est encore bébé. Non, ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu as compris, non? Je suis là. Mais est-ce que le bébé marche d'abord? Non, ça ne fait rien. Il arrête de tout pour marcher dans la maison. Ça ne fait rien. Je suis là. Mais on dit toujours que c'est bien d'accoucher, de concevoir. Quand le bébé marche déjà, non, maman. Non, ne t'inquiète pas. Accouche vite, tu arrêtes. Tu arrêtes tôt, tu arrêtes vite. Comme ça, tu te réagis. C'est bien de ne pas trop traîner sur la couche. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Mais c'est que. C'est encore quoi, ma princesse? Hein? Le jour que Trésor m'avait prêté, l'autre jour que.
c'est monté, c'est descendu. Je suis enceinte, je ne connais pas le père de ma femme. Comment tu restes comme trésor le jour-là? Qu'est-ce qui se passe? Non, maman, tu sais que je ne peux pas venir faire le point sur les sujets comme ça, non, maman. C'est alors quoi, princesse? C'est que... Là, on va au but. Bon, maman, le problème, c'est que ce n'est pas Tonton Christian, non. Qui a fait quoi? Bon, c'est que ce n'est pas Tonton Christian qui m'a enceinté. Ah! Hey, Wanda, ça c'est quel mari? Un voyage va alors. C'est alors qui, maman? C'est quelqu'un d'autre, maman. Alors c'est ça. On t'a fait confiance. On t'a donné la liberté. C'est comme ça, t'es démerci. La personne-là a combien de pieds? C'est quelqu'un d'autre comment? Tu as appris ça où? Yeah. C'est quelqu'un d'autre par comment, ma chérie? Hein? J'ai dit, hein, tu as un mari comme mon fils Christian. Un bon mari, un mari qui te donne des beaux bébés, qui te chérit, qui te donne tout. Tu fais encore quoi dehors? J'adore rire. C'est quelqu'un d'autre comme ça, c'est apporter des mauvaises énergies pour venir être dans la maison. Hein? La malédiction. Tu apportes la malédiction sur mes fils pourquoi? This is business. Que c'est le type là a que Christian n'a pas? Eh oui. J'ai une passion pour Beethoven. Bon, j'ai dit, tu es même la fille de qui? Maman, comment c'est quelle manière? Comme ça, ça oui, parce que je ne te reconnais plus. Ça doit être l'un de tes pranks quand tu dis ça. Je ne connais pas ta fille. Très mal. Ça fait vraiment très mal. C'est pas le point, maman. C'est juste que... C'est un coup de foudre, non? Non. Un coup de foudre, comment? Tu faisais d'abord quoi dehors? Bon, non, c'est que. Maman, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. C'est que quoi, non? Comme tu connais déjà que c'est la blague, là. Quand même t'expliquer, même tu vas me. Je te connais, c'est la blague. Tu ne peux pas faire les trucs pareils. Tu ne peux pas faire les trucs pareils. Maman, ce n'est pas la blague. Ils sont assez preuves. Pour me prinquer maintenant, il faut être vraiment professionnel. Tu m'as déjà. Amener dans les histoires de prank là, si bien que. Maman, tout ce que tu parles. Non. Tout ce que tu parles, c'est pour les pranks. Comment je fais? Maman, donc, je viens de te dire que je suis enceinte. Non, c'est pas toi. La personne que je suis. Non, une autre personne, pas toi. Tu ne peux pas faire ça. Maman, est-ce que c'est moi qui fais alors? Tu ne peux pas c'est faire arrivé, ça. C'est arrivé, non, maman? Arrivé comment? C'est que la personne a que. Donc je ne sais pas où la personne m'a que donné le charme. Moi, le charme que tu pensais d'avoir quoi avec la personne dehors. Je ne sais pas, moi, quand j'ai vu la personne la première fois comme ça, même une fois, non, ça a commencé à faire déjà dans mon cœur. Et après, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Logique. Et je sens que j'aime un peu plus la personne. Ne me tensionne pas. Ne fais pas qu'elle te porte main. Ne me tensionne même pas. Hein? Tu as vu la personne faire boum comme si tu étais célibataire. Tu as un nom à la maison, tu as... Hein, tu as quoi faire avec les hommes dehors jusqu'à quand j'ai vu la personne, mon cœur a fait vraiment. Maman, c'est pas que je voyais la personne, donc c'est juste que une coïncidence, non. C'est juste que c'était seulement une coïncidence non, comme ça, non. Et que. Je ne peux pas accepter ça. Et j'ai commencé à aimer la personne, je ne sais pas pourquoi. Aimer que tu n'aimes pas ton mari. Aimer que tu n'aimes pas ton mari. Mais pour la personne, là, c'est le coup de foudre. Et après, une seule fois comme ça, un peu, et je vois que c'est l'enfant qui est entré, maman. Non. Maman, je te dis le truc, tu dis non, que c'est le prank, comment, maman? Non, c'est pas toi. Tu ne peux pas me prêter à consacrer un message. C'est le prank, dis donc. Laisse-moi tout maman, ça. Maman, le prank, comment? Tu dis comme tout ça, tu dis que c'est le prank. Non, laisse-moi. Donc, je ne veux pas être enceinte et que. Non, laisse-moi tout ça. Je te connais. Je te connais. L'enfant d'une autre personne n'est pas ma fille. Pas ma fille. Maman, comment tu crois que ça ne peut pas arriver, maman? Ça peut arriver. Non. On ne sait jamais, maman. Toi qui es intelligent, comme quoi, là? Non. Non. Hé. De moment, veux-tu me croire pas? Non, je ne crois pas.
pas toi. Non, je pèse pas toi. Je ne peux pas te croire sur le truc comme ça. Pourquoi tu ne me crois pas, maman? Ça, je te connais, tu ne peux pas faire le truc comme ça. Tu ne peux pas faire le truc comme ça. La façon que tu es intelligente, tu ne peux pas faire le truc comme ça. Ouais, moi, il fallait me laisser. La personne que tu es conseillée, que tu conseilles les petits soeurs, tu ne peux pas faire le truc comme ça. Ouais, j'ai entendu que c'est. Il fallait que tu grignes du décor, que c'est bon, tu laisses où je te prends comme ça. Non, me prendre sur quelque chose, je crois, mais sur la princesse. Tu laisses ton mari, ton bon mari déjà qui te donne des beaux bébés. Ya! Comment me prendre sur une autre personne? Je suis là, je ne sais pas. Comment se sent? Maman! Donc tu fais mon frein tombe dans l'eau comme ça. Mais ça peut arriver dans mon arriver comment? C'est ça, je suis comment tu conseilles tes soeurs, tu conseilles tes amis, tu conseilles une bonne conseillère, tu viens me dire que tu es enceinte. Non, une autre personne ne peut pas faire. Non. Il fallait me faire un peu semblant, non? Non. Ok, voilà, on commence à parler. Il faut faire semblant sur quelque chose. Mais non, c'est ça quand même. Ouais, bon, attends, je prends la caméra dans l'autre, tu vas avant qu'on coupe la vidéo. Alors, les gars, voilà. Maman, je n'ai pas pu pranker, maman. J'ai voulu faire croire à maman que je suis enceinte d'un autre homme. Tellement le poing était froid, tellement maman était. Maman ne ment même pas. Prise au sérieux depuis le début du prank, quoi. Elle a directement, même avant que je ne lui dise que je suis enceinte d'un autre, non? La partie où je lui ai dit que je suis enceinte, après maintenant je commence à regarder le visage, que je connais le visage là, je connais la tête que tu fais là. Trésor m'avait fait ça quand vous m'avez franqué, faisant croire qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte d'un père inconnu. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo dans laquelle je n'ai pas réussi à pranker maman. Donc il faudrait vraiment que la prochaine fois j'essaie d'organiser mieux mon frère pour que ça puisse passer. Voilà, pour que ça puisse être crédible. Ah, franchement, ceci n'était même pas crédible. Ah bon, mais ça peut arriver. Maman dit que je te connais, c'est impossible d'arriver aussi. Enceinte d'un autre homme, comment? Ok les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Vous avez vu l'effort que j'ai fait. Dites-moi les sujets de prank que vous voulez me voir réaliser dans les commentaires. Là, je saurai mieux organiser, pouvoir essayer de pouvoir pranker maman parce qu'elle commence à devenir de plus en plus dure. Et en plus, vous avez vu le prank qu'elle a fait avec moi, n'est-ce pas? Elle s'est réunie avec mon mari pour me pranker. Je vous laisse le lien en haut là, celui qui apparaît. Vraiment, ils ont pu vraiment, je suis tombée comme ça là. Tiens! Et elle est passée par là maintenant pour acquérir de l'expérience. Monsieur Christian l'a coaché quoi. Vraiment. Moi, liker, commenter, partager. Moi qui croyais pouvoir la pranker. Anyway, on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. Allez nous suivre également sur Instagram qui est Suzanne et Christian. C'est quelque part là à l'écran ou quelque part là. Et le lien est dans la barre d'infos aussi. D'accord les gars? Afin de pouvoir participer au sondage que nous faisons constamment pour des vidéos Instagram contrôle ma vie. Un principe que j'ai beaucoup aimé, ça venait de vous. Ok les gars, prenez vos bisous comme ça. Bye bye.